sélectionné. C'est sérieux. Bonjour, je m'appelle Guiz et bienvenue à ce 46e épisode de Collectionner, c'est sérieux! En fin de semaine, c'était la réunion du CCJVQ, ce qui veut dire le Club des collectionneurs de jeux vidéo du Québec, le meilleur endroit pour compléter sa collection. Alors l'épisode entier sera dédié à mes trouvailles lors de cette réunion. Étant donné que je suis une carte de mode, on va commencer par un super beau t-shirt de Contra et un autre super beau t-shirt de Final Fantasy. Parce que c'est important de porter des t-shirts de vidéo si tu veux pogner avec les filles à la maison. Mais revenons aux choses sérieuses, la collection de jeux vidéo. Comme vous le savez, la collection dans laquelle je suis le plus investi est celle de la NES. Et d'ailleurs, le prochain épisode de Collectionner c'est sérieux sera dédié au complet à la collection de NES. On va vous faire un room tour. Au risque de me répéter, quand on collectionne des jeux complets en boîte, le morceau le plus difficile à trouver, c'est les manuels! Le problème, c'est qu'il y a plusieurs jeux qu'on trouve dans les clubs vidéo qui ont fermé, puis eux autres, ben, ils faisaient des photocopies, pour pas qu'on magane le vrai, puis le vrai, il est mystérieusement disparu. Eh bien, une réunion comme le CCJVQ est le meilleur endroit pour trouver des manuels! J'en ai trouvé plus de 20 pour les jeux qui me manquaient, que j'ai la boîte et le jeu, mais qui manquait le manuel! Je pense que ma plus belle prise est celui de The Crayon Conquest, un jeu quand même assez rare. Et c'est sûr qu'ils sont pas tous dans un état incroyable, mais souvent pour les fillers, on est un peu moins difficile, puis tout ce que je veux, c'est les avoir complets, et dans le futur, eh bien si on en trouve un plus beau, on les remplacera. Donc je vais pouvoir passer des heures de plaisir à remplir mes boîtes avec des beaux manuels. Et étant donné qu'on était entre collectionneurs, malgré les prix que vous voyez, j'ai rarement payé plus de 2$ par manuel. Ça arrive un peu moins souvent. J'ai trouvé une boîte vide pour un jeu que j'ai loose. You! Super Spike Bebop! Ha! On peut maintenant le remplir! En fait, c'est une cassette double. Il y a Super Spike Bebop et Nintendo World Cup dessus. Un des rares jeux de NES qui contient deux jeux. Mais il y a des petits futés à la maison qui se disent « Hey Guiz, ça existe même pas cette boîte-là! » Eh bien, vous avez raison. Comme la cassette Mario Duck Hunt, la boîte n'existait pas parce que le jeu était dans un bundle pour un kit de Nintendo complet. C'est donc des fans qui ont fait une boîte custom et c'est pour ça qu'on me l'a donné gratuitement lors de la réunion. J'ai aussi trouvé 4 jeux de NES complets en boîte qui sont quand même assez communs, mais il y avait entre autres Bad News Baseball qui est le meilleur jeu de baseball sur la NES. L'arbitre, c'est un lapin! Encore une fois, parce qu'on est en collectionneur, les jeux m'ont soit été donnés, échangés ou vendus à un prix d'amis. Il y en a souvent parmi vous qui me demandent « C'est où que t'es prends, Guiz, tes plastiques pour protéger tes jeux? » Eh bien, j'y prends chez Mario Retro. J'ai mis le lien sur Amazon dans la description. Ils ont des plastiques pour la NES, Super NES, Nintendo 64, Genesis, les caisses de plastique de PlayStation, les caisses standards comme la Wii, la Wii U, et aussi des plastiques pour les boîtes de Game Boy. Et un des trucs les plus cools que Mario Retro vend sur son site, c'est des portes pour ceux qui ont perdu la porte de leur Nintendo 64. C'est des reproductions, mais sont presque pareilles, puis c'est pas mal plus beau que de voir. C'est comme se promener avec le moteur à l'air sur ton auto. Tu ferais pas ça à la maison? Un capot. Mais le clou de mon week-end, j'ai acheté pour 5$ un bac de plastique rempli de cochonneries, mais rempli surtout de jeux illégaux. À 5$, j'avais pas le choix, juste pour vous les montrer. Puis c'est un peu une partie de mon enfance. Parce que quand j'étais jeune, j'allais louer un jeu au club vidéo, eh bien c'était souvent des copies illégales de Famicom avec un adaptateur. Je vous ai déjà parlé dans un épisode précédent qu'au Québec, on avait reçu Super Mario 3 en version illégale. Et bien maintenant, j'en ai 6! Parce que le vrai Super Mario Bros 3 sur Famicom, il ressemble pas à ça, il ressemble à ça. Il y a aussi Mario Invisible et le classique Bébé Mario qui est en fait Bio Miracle, un jeu de Famicom que pour le populariser en Amérique du Nord, ils ont écrit que c'était le Bébé Mario. Ça n'a pas rapport, c'est juste un bébé. Aussi les classiques jeux de Micro Genius, une compagnie totalement illégale avec des jeux emballés tout croche. Par rapport, c'est un manuel de Dreamcast. J'ai aussi un Mario 3 qui est en fait Mario 2, mais Lost Levels. Mais le clou du spectacle, les fameuses cassettes illégales 260 en 1. 260 en 1,
260 en 1, 260 en 1, 190 en 1, 115 en 1, 100 en 1, dessin en 1, 110, rien. Ah non, il y a des gens en arrière. Pac-Man en 1, cassette peinturée rouge, Nintendo. Et en plus, souvent les cassettes 260 en 1, c'est même pas 260 jeux différents, c'est les mêmes jeux mais avec des cheats de Game Genie. Donc, au lieu de partir au niveau 1, tu pars au niveau 2. Ça, ça compte pour deux jeux différents. Ou au lieu de partir avec être invincible ou pas être invincible, ça c'est deux jeux. Bravo. Bref, un gros paquet de trucs illégaux. La raison pourquoi que le vendeur me les a vendus à bas prix, c'est que lui, il a un magasin illégal eBay et ces jeux-là sont pas supposés se ramasser sur eBay parce que ce sont des copies pirates. Mais il y a des collectionneurs qui chérissent ces jeux-là parce que ça fait partie de l'histoire. Ça reste quand même beau, même si c'est très laid. Les choses belles sont laides. Les belles sont l'inverse. La caisse contenait aussi un paquet de trucs brisés. On va regarder ça ensemble dans le futur et peut-être qu'on va réussir à sauver quelques-uns de ces objets pour le patrimoine du jeu vidéo à la maison. Pendant la réunion, oui, j'ai acheté juste du Nintendo. Mais non, surprise, j'ai trouvé un jeu de Atari en boîte. Dragster, un jeu quand même commun. Mais vous savez, l'affection que j'ai pour les boîtes de Atari. C'est un jeu de course. Ça doit être plate. Donc un jeu de Atari complet en boîte comme on les aime. Il y a même un catalogue avec d'autres jeux de Atari pour me donner le goût. Je l'ai quand même payé cher, j'ai payé 15$, mais juste parce que je trouvais ça drôle qu'il y ait un sticker écrit 12,88 et j'essayais de faire passer la loi de la protection du consommateur au gars à sa table, puis... Personne trouvait ça drôle. Bref, une bien belle réunion. Merci à tous les organisateurs. Merci à tous les collectionneurs avec qui j'ai piqué une jasette et ou échangé des jeux. C'était vraiment plaisant. C'est le fun de voir que notre monde est en santé malgré les maudits revendeurs qui revendent trop cher. On se revoit bientôt pour un autre épisode de Collectionner, c'est sérieux. Et je rappelle que ce sera la collection de NES. En plus, il va y avoir un invité que lui, il a tous les jeux de NES au complet. Toutes. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un pouce. Et n'oubliez pas, à la maison, les jeux, c'est à moi! Vieux temps dans ta nouvelle maison, ben oui.